Pardon, FBI, FBI, je dois accéder à l'avion. Votre insigne? Oui, Il est dans ma voiture. Je me suis garé devant, c'est un véhicule fédéral. Allez voir. Suivant. S'il vous plaît, une minute, ouvrez la porte. S'il vous plaît, ouvrez. Laissez-moi entrer. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Oui. Merci, FBI, ce sera pas long. FBI, mais qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, ne vous en faites pas, contrôle de routine. Vous voilà. Qu'est-ce que vous faites ici? Je dois vous dire quelque chose. J'ai pas envie de vous voir, allez-vous-en. Vous avez raison. Et j'ai oublié ce que c'était que de se comporter comme un être humain normal. Je passe mon temps à élaborer des ruses, à mentir et à manipuler tout le monde. Pour éviter de faire face à mes sentiments. Et l'idée de me rapprocher à nouveau de quelqu'un me terrifie, pour des raisons évidentes. Mais la vérité, Teresa... La vérité, c'est que je ne conçois pas me réveiller le matin en me disant que je ne vous verrai pas. La vérité, c'est que je vous aime. Ouh, vous n'imaginez pas comme ça fait du bien de le dire tout haut, même si ça me fait peur. Toujours est-il que c'est la vérité, c'est ce que je ressens pour vous. C'est trop tard. Jane, c'est trop tard. Oui, c'est peut-être trop tard, je peux comprendre. Ça fait rien, il fallait que je vous le dise. Et vous méritez de le savoir. Mettez les mains en l'air, tout de suite. Je vous aime, Teresa. Et je suis très content d'avoir pu vous le dire. Je l'aime. J'aime la femme du siège 12B. Prenez bien soin d'elle. Je suis désolée, c'est très gênant. Oh, chérie, toutes les femmes de cet avion sont vertes de jalousie.